Deux petites maisons ou une grande demeure, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle visite sur YouTube. Salut, moi c'est Manu et pour cette deuxième visite, l'équipe de JVSY met à l'épreuve pour une toute petite maison. Près de 200 mètres carrés, 5, 6, 7 chambres au besoin sur 3000 mètres carrés de terrain. Une maison atypique, pleine de potentiel, que vous découvrirez en fin de vidéo avec un aperçu drone. La première maison est en façade, mais pour le moment, nous nous dirigeons vers celle-là. Mais avant de rentrer, une petite pause sur cette jolie coursive en alu qui relie les deux maisons. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par un espace de vie de près de 40 mètres carrés. Tomettes, pierres, poutres apparentes, bref, que du cachet. Bon, j'ai pas tout ça, moi je me mets à l'aise et en plus, pour une fois, des porte-manteaux à ma taille. Derrière cette porte, un vestibule et un double WC. Sur ma droite, le salon. Un salon cosy de 26 mètres carrés, offrant une vue paisible sur le jardin. Sur ma gauche, l'espace salle à manger, cuisine. Une salle à manger de 12 mètres carrés, avec toujours cette vue sur le jardin, adossée à une cuisine authentique. Elle fait 10 mètres carrés cette cuisine. Elle est d'origine, elle a son histoire, mais elle pourrait tout à fait être au goût du jour. Je profite de ce passage en cuisine pour vous présenter cette chaudière à gaz frisquette qui assure le chauffage et l'eau chaude des sanitaires de cette première maison. Derrière la caméra, la coursive qui donne accès à la deuxième maison. Mais pour le moment, on passe à l'étage. À l'étage, un palier distribuant sur ma droite une salle de bain de 5 mètres carrés. Sur ma gauche, actuellement, une pièce utilisée comme bureau de 10 mètres carrés. Et derrière la caméra, une première chambre avec rangement de 12 mètres carrés. Une seconde chambre de 14 mètres carrés avec en plus une mezzanine de 11 mètres carrés exploitable. Petite précision, la chambre avec mezzanine, donc celle-ci, et le bureau sont équipés d'un poids d'eau. Allez, on passe à la deuxième maison, on se retrouve dans la coursive. Je vous l'ai dit, la cuisine donne accès directement à la coursive. Elle est en alu, totalement isolée, et permet de conserver nos plantes en hiver. De chaque côté, deux portes, l'une vers la cour intérieure, l'autre vers le jardin. Derrière la caméra, l'accès à la deuxième maison. Nous voici dans la deuxième maison. Nous passerons à l'étage par la suite. Ici, vous trouverez WC buanderie et derrière la caméra, un salon de 20 mètres carrés. Cette deuxième maison est chauffée par un poêle à bois plutôt original. Pour les plus frileux comme moi, les chauffages électriques viennent en appoint.
Cette deuxième maison est vivable de plein pied. Elle dispose d'une salle de bain, d'une chambre de 12 mètres carrés avec dressing et vue sur le jardin. Allez, on passe à l'étage. Ici, une pièce de 7 m2 et demi que l'on pourrait considérer comme une chambre grâce à sa mezzanine de 4 m2 et demi. Et on garde le meilleur pour la fin avec cette suite de 40 m2. Elle profite d'une salle de bain, un bureau, et une grande chambre qui... Je voulais quand même vous faire profiter de cette vue sur le jardin. Allez, on repasse au rez-de-chaussée pour vous donner un aperçu des extérieurs. De la coursive, on accède à la cour intérieure, mais également à la cave et au jardin, en passant par une cuisine d'été. Mètres carrés de terrain donnant sur la forêt, un véritable privilège. Je vous en montre plus, allez, on décolle. Voilà pour ce tour du propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Une maison pleine de caractère qui offre de nombreuses possibilités. Je vous garde le garage et ses possibilités d'évolution pour une visite sur place. Et c'est une bonne surprise. Si vous êtes intéressé par ce bien et que vous souhaitez le visiter, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste ici. Si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner pour profiter des nouveautés et exclusivités. Et ça se passe juste en dessous. Enfin, si vous êtes propriétaire, vendeur et que le format vous intéresse, renseignez-vous au numéro qui s'affiche toujours ici. En attendant notre prochaine visite, si je ne suis toujours pas virée, je dis prenez soin de vous et vous dis à très vite pour une prochaine visite sur YouTube.